Justement parce que ça fait, on n'est pas obligé d'avoir des horaires tous les lundis, tous les mardis, telle chose. Et puis on se retrouve entre potes le dimanche. Moi c'est parce que ça fait plusieurs fois que je viens ici moi. Et puis bah, comme l'ambiance elle est pas mal, on revient tous les ans. C'est plutôt bien organisé, voilà, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Donc c'est bien pour le VTT. Les ch'tis coureurs, donc on court trois fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, dans une très très bonne ambiance. Et on fait les courses essentiellement dans le challenge du Mont des Flandres. Et puis voilà, on est une super équipe et on s'éclate et tout va bien. C'est la première fois que je viens ici. Pour l'instant, ça a l'air d'être génial. On a pris nos dossards, on va laisser chauffer et voilà, tout le monde a l'air d'être content. Je fais le 10 km, le trail. Je n'ai jamais fait le parcours, il est tout nouveau. Apparemment, il y a une rivière et on aurait de l'eau jusqu'aux hanches. Et ça nous fait pas peur les ch'tis, hein. On est là pour gagner. Les ch'tis coureurs, vite, vite, vite. Ouais. De Blandec et on vient ici bah, pour s'éclater quoi, c'est tout. Alors ce n'est pas la première fois que nous venons sur l'organisation des tyrannosaures. On essaie d'y venir régulièrement puisqu'on a des adhérents des tyrannos qui sont chez nous aussi. Faire plaisir, pour me faire du bien, pour entretenir la santé, faire un beau parcours en pleine campagne et profiter de la région et du pays de Saint-Omer, de l'île. Et je suis du Pas-de-Calais, je suis né à Saint-Omer. C'est très léger, hein. J'ai un peu d'eau pour toujours garder un peu de pour garder l'habitude parce qu'on va arriver l'été et il fait toujours chaud, il faut toujours bien s'hydrater. Et puis autrement, bah, c'est assez, assez léger comme équipement. Bon déjà, merci à tous d'être venus. On a un petit peu plus de monde que prévu, même beaucoup plus. On espère qu'on ne décevra personne. Vous avez raison. Bon, on va donner le départ sur la route, donc à l'entrée du chemin. On a eu un petit souci sur la commune d'Elne. Nous avons eu l'autorisation de passer. Malheureusement, le maire a oublié de nous dire qu'il y avait une brocante. Donc prenez un peu d'argent, ça peut servir. On va y aller. Vous êtes prêts? Non. 5, 4, 3, 2, 1, retour! Je m'appelle
m'appelle Marius et je suis ici pour faire la CO. Je suis déjà venue, ce n'est pas la première fois. Famille. Je suis venue en famille. Je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. Je suis ici pour faire la CO. Alors c'est la petite puce électronique qu'on nous donne au départ de la course pour pouvoir chronométrer notre temps de parcours. Donc moi d'après ce que j'ai compris, c'est mon tout premier trail et j'ai fait 1:11, donc je crois que je suis assez contente de moi sur le 10 km. Donc voilà, merci à la puce parce que ça m'a permis de savoir quel temps j'avais fait, sinon j'aurais pas su. Alors merci les tyrannosaures parce que c'est un excellent parcours. Une bonne descente, mais aussi une bonne petite montée avec une bonne traversée d'eau. C'était très très bien. Encore merci à l'organisation. Nous avons organisé une rando orientation. On avait un top départ, il y avait un balisage, il y avait un calcul du temps au doigt électronique et il y avait trois parcours proposés. Et sur ces trois parcours, il y avait donc on a les trois vainqueurs de ces trois parcours différents. Valentin, 7 ans. Alexis, 7 ans. Fanny, 8 ans. Donc je suis ici ce matin à SEC, donc en tant que vice-président des sports. SEC faisant partie de la communauté de communes du Pays de l'Arbre. Donc c'est un très bel événement, donc avec une très bonne participation. Alors la communauté de communes de l'Arbre a pour l'un de ses objectifs du moins est le développement des sports de nature. Donc le trail, les circuits randonnées, les circuits VTT. L'un des premiers éléments mis en place est la station de trail du Pays de l'Arbre. Alors cette station de trail est sur deux sites, le site de Wavran-en-Wavran-sur-la-Haye et celui de Senangan. Alors sur les deux sites, on a des ateliers d'entraînement, des courses de côte, des boucles trail et on a aussi différents parcours qui vont de 8 à 43 km. Bonjour, mon prénom c'est Gilles, je suis des Marcassins à Tournoem, je reste à Blandec et je fais une petite randonnée avec les camarades sur les tyrannosaures pour Laurent Gressier. Parcours bien vallonné, du roulant, dans les bois, impeccable, du temps sec, fait beau, c'est agréable, hein. Puis voilà, avec les copains on s'envolait. Ben, du fait que je fais partie des Marcassins, j'ai mon garçon qui était en Corse, puis il a vu un cochon. Un marcassin, il me l'a ramené et je l'ai mis sur mon casque. Puis ils l'ont fait, les tyrannosaures, je suis toujours derrière eux. Bonjour et bienvenue à SEC. Pour la majeure partie d'entre vous, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Sachez que c'est un honneur pour moi et pour la commune de vous recevoir aujourd'hui à un flot de monde aussi nombreux, c'est assez impressionnant. Sachez que la commune de SEC fait partie de la communauté de communes du Pays de l'Imbre. Et que la communauté vient d'investir dans le sport de nature, dans le trail, notamment sur la base de Senangan. C'est la première au nord de Paris. Donc faites-en une bonne publicité. Merci à tous, bonne journée, et puis à très bientôt, et bon sport à tous. Merci.
Donc nous avons rencontré le président, Monsieur Gracier, à plusieurs reprises pour mettre en place un petit peu tout ce qu'il y avait à mettre en place, trouver les équipements, trouver les terrains, les disponibilités, notamment je pense au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. Avec la communauté de communes, nous avons mis aussi à disposition des barrières pour la sécurité. C'est quand même important aussi pour eux d'avoir une logistique et un appui, un soutien derrière. C'est énorme pour notre commune, c'est la première fois qu'on a un événement qui amène autant de monde et surtout des gens de toute la région. Je voyais beaucoup de plaques d'immatriculation du Nord. C'est une très très belle publicité, très très belle. Je suis venu ici parce qu'ils m'ont obligé. Et moi à la base je n'aimais pas trop courir et ils ont vu en moi un potentiel. Et ils se sont dit, il y a un talent caché dans ce bonhomme et du coup ils essaient de me faire progresser. Et aujourd'hui je fais 1h45 et c'est grâce à eux. Ouais, il y a un beau potentiel mais il n'y a pas beaucoup de tête aussi. Ouais. Mentalement il est faible. La dernière je l'ai fait mais en vélo. Non mais on a plus de sensations à courir. Donc l'association Les Tyrannosaures, en marge d'être organisateur du Tyranno Tour, on organise aussi un raid multisport. Un raid multisport c'est quoi? C'est un enchaînement d'épreuves sportives. VTT, canoë, roller, run and bike, course d'orientation, trail. Par équipe, toujours par équipe, donc il y a des équipes masculines, féminines, mixtes. Et les 29 et 30 août 2015, on a la lourde charge d'organiser la finale des championnats de France de raid multisport. Donc la finale, c'est quoi? C'est pour participer à la finale, il faut aller gagner des points sur des manches nationales. Donc, les concurrents vont chercher des points sur toutes les manches, les 10 manches. Pour pouvoir se qualifier à la finale. Je pense que les personnes qui viennent du Sud ne s'attendent pas du tout à avoir le terrain de jeu qu'on va leur proposer. Ils pensent que le Nord, c'est le plat pays. Mais ils vont se détromper parce qu'au bout des 300 km, ils s'apercevront qu'ils ont fait 4000 mètres de dénivelé. Quoi. On organise également un raid sport, une formule sport, qui est un peu plus adaptée aux sportifs habituels. Enfin, qui sont habitués à courir le dimanche et un peu plus même. Donc c'est une formule de 6 heures. Ensuite, on a une formule découverte où là, c'est une petite formule de 3h30 où on permet aux personnes de découvrir la lecture de cartes, la recherche de valises, la stratégie. Et à côté de ça aussi, on a deux nouvelles formules remises au goût du jour par David, le président de l'association. On a la formule découverte où là on propose à deux enfants accompagnés d'un adulte de courir pendant 2h30. Donc il y a un peu de canoë, un peu de VTT, un peu de run and bike, un peu de course à pied, un peu de course d'orientation, mais à des doses homéopathiques on va dire pour qu'ils prennent le maximum de plaisir. Et on a aussi une formule orientation où là on peut s'apparenter plutôt à une grande chasse au trésor dans les rues et dans le parc de Saint-Omer. Donc voilà, donc c'est une très grosse organisation. On y bosse depuis 2 ans et demi. C'est super intéressant de proposer ça et de discuter sur les manches auxquelles on participe, de discuter avec les riders sur les possibilités d'hébergement, sur les coins à découvrir. Enfin voilà, on fait les VRP du Nord-Pas-de-Calais à chaque déplacement. Je donne rendez-vous à tous ceux et toutes celles qui ont envie de découvrir autre chose que la randonnée VTT, comme aujourd'hui, en suivant simplement un fléchage, ou au trail, pareil, en suivant aussi un fléchage, justement avec l'orientation d'avoir le choix de son itinéraire et d'essayer de l'optimiser. Donc voilà, je rappelle le 29 et 30 août, le T-Rex, la finale des championnats de France de raid multisport, mais aussi trois autres formules sur le côté. Alors Fanny, en duo avec Frédéric, et on vient de Campagne et les Wardrec. Alors Marilyn, on a fait en duo et on vient de Flêtre. C'est un parcours assez roulant. La première partie est en montée. Et arrivé vers le 5e kilomètre, là c'est beaucoup de descente, il y a un passage rivière. Voilà, c'est un très beau parcours. Très beau parcours. Alors, premier trail ensemble, premier duo ensemble. On est du coin, donc on a retrouvé un petit peu notre campagne. Super beau. La rivière sympathique. Et voilà, quoi à refaire à l'année prochaine. Avec la même météo. Voilà. Avec la même météo, ce serait bien, oui. Merci les Tyrannosaures.
Donc mode routier de Calais. Sophie Tcheleux de Ringuem. Donc j'ai mis 50-30 et je finis première sur le 10 km. Je suis deuxième sur le 10 km et j'ai mis 51 minutes. Bonjour, je m'appelle Emeline, j'ai fait le trail de sec, j'ai fait le 10 km. J'ai repris en septembre la course à pied. Ce n'est pas ma première course. Bah, les autres fois, j'ai fait la course de Arc, le trail de Dev et plein d'autres, mais je ne sais plus. Alors, je m'appelle Ludovic Loridan, je fais partie du club de courir à Gravelines. Je viens de Saint-Pierre-Brouck. Aujourd'hui, je gagne le 10 km avec satisfaction parce que c'est pas une course facile. Il y avait un gros niveau, beaucoup de bons coureurs aujourd'hui. Donc, on s'est tous un peu perdus. C'est un petit peu avec de la chance que je gagne parce que normalement, j'aurais dû faire deuxième. Mais bon, c'est les aléas du jeu. Faut être vigilant sur le parcours. Et bon, on a une belle journée, on s'amuse tous bien. Comme vous voyez, une super ambiance. Et je reviendrai l'année prochaine. Je suis fière, c'est mon papa qui a gagné aujourd'hui. Je suis très fière car mon papa y a gagné la course. Bonjour, je m'appelle Richard. On a fait la course en duo des 10 km avec Christelle, ma chérie. Et on a trouvé un parcours formidable, hein, varié, des descentes que ma femme a appréciées, des montées que j'ai appréciées et la rivière qu'on a appréciée en commun. Et puis on dit encore bien merci à Laurent Gressier et à toute son équipe, il mérite vraiment beaucoup d'encouragement. Voilà. Les Tyrannosaures, c'est une association de Wizerne et pour ce type d'organisation, c'est une année de préparation. Alors depuis 3 ans, j'ai des super coups de main de plusieurs personnes, et dont Séverine qui est à côté de moi, qui s'est occupée de tout reconnaître les parcours marge, de demander les autorisations. Il y avait aussi tous les parcours VTT, donc il y a son mari à Séverine, David, dit Jules, qui a organisé toute la partie VTT, donc les reconnaissances VTT. Les demandes d'autorisation, le fléchage, tout ça. Et il a fait tout ça avec notre bon chef. C'est le chef de l'association, Philippe Platel. Je vais laisser dire 2 petits mots. Ouais. Non mais je vous rassure, le titre de chef, c'est purement honorifique. Pas plus chef qu'un autre. Hein. Ouais, bah non, on est sur les parcours VTT avec David depuis la fin de l'année dernière, quoi. Et puis voilà, donc on a concrétisé tout ça au printemps. Et puis, c'est tout. Et puis on n'est pas notre première organisation, donc maintenant on est rodé. Ça roule. Et puis comme on a une bonne équipe, tout va bien. On n'a pas fait les comptes exacts parce que c'est un peu difficile. On a eu vraiment une affluence assez forte. Et on est entre 1600 et 1800. À côté des personnalités qui gèrent la marche, le VTT et le trail et l'organisation générale et l'orientation et tout ça, il y a toute une équipe qui est à côté et qui signale, qui prépare les ravitaux, qui les réapprovisionne, qui font les inscriptions, qui balise les parcours. Actuellement, il y en a qui débalisent le parcours. Et il y a une équipe de 100 personnes. C'est super. Alors mamie, elle est là depuis ce matin aussi. Elle a servi un bon millier de café et elle a fait presque 1800 sandwichs. Vive les Tyrannosaures!